Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ministres Pointe-Foucault et chefs de délégation, Madame la Présidente du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par le PAIR, MAEP, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur général du MAEP continental, Mesdames et Messieurs les commissaires, secrétaires exécutifs nationaux de gouvernance des pays membres du MAEP, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple et du gouvernement tchadien, je voudrais souhaiter la bienvenue et un bon séjour à tous nos illustres invités qui ont fait le déplacement d'N'Djamena. Ainsi donc, le Tchad est honoré et comblé par la présence de nombreux frères et sœurs qui ont bien voulu vivre avec nous cet événement historique qui marque la mise en œuvre du plan national d'action, partie intégrante du rapport du MAEP sur le Tchad. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présentation du rapport du MAEP sur le Tchad, doublée du lancement de la phase de mise en œuvre du plan national d'action, est une heureuse perspective pour notre pays qui vit les premiers mois de la 4e République. Permettez-moi à cet égard d'exprimer ma totale fierté, ainsi que celle des filles et des fils du Tchad qui ont pris l'option résolue de mettre leur pays sur une nouvelle trajectoire. L'édification de la nouvelle nation ne peut s'opérer sans la gouvernance qui est le chemin le plus sûr pour atteindre l'idéal de l'émergence, comme je ne cesse de le rappeler. Et le rapport que vient de présenter notre frère, le professeur Abou Manga, avec beaucoup de vivacité, me conforte dans mes convictions. C'est pourquoi je n'ai pu m'empêcher de commenter quelques passages des précieux documents. Le rapport éminemment riche et dense a touché toutes les facettes qui forment la charnière du MAEP. Qu'il s'agisse du développement ou des questions transversales, l'évaluation qui est faite nous comble dans toute sa plénitude. Si les différentes thématiques ont la même portée, je voudrais m'apesantir sur des questions de démocratie, de gouvernance politique, du développement socio-économique, ainsi que les défis transversaux. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance politique, ce sont des avancées significatives qui ont été enregistrées, comme le prouve l'ancrage des libertés publiques et des droits humains, la pleine manifestation de l'expression plurielle et la tenue régulière des consultations électorales ouvertes et transparentes. L'environnement politique dans notre pays est l'un des plus harmonieux du continent. La mise en place du cadre national du dialogue politique, qui regroupe dans une parfaite communion la majorité présidentielle et l'opposition démocratique, est un cas d'école qui fera naturellement beaucoup de mieux. Mais nous avons le triomphe modeste
car tout est perfectible. De nombreux actes du Forum national inclusif sur la réforme institutionnelle que nous mettons progressivement en musique visent effectivement à consolider les acquis démocratiques, à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance. Je voudrais également noter, dans le siège de la gouvernance la mise en place prochaine, du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, qui est aussi un des actes forts du Forum. Cette institution va catalyser et impulser la dynamique de la décentralisation et de la responsabilisation des entités territoriales décentralisées, telles que mentionnées dans le rapport. En matière de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, nous avons une lecture lucide des défis qui nous attendent. Il est indéniable que les résultats des actions déployées sur le terrain jusqu'à nos jours n'ont pas comblé toutes nos attentes. C'est fort logiquement que la Nouvelle République a inscrit cette préoccupation au rang de priorité absolue. L'institution du serment confessionnel qui s'impose à tous ceux qui s'occupent de la gestion de la chose publique va renforcer les actions dissuasives que mènent l'inspection générale d'État et les poules judiciaires chargées de répression des infractions économiques et financières. Distingués invités, mesdames et messieurs, les actions concrètes que nous venons d'énumérer ne se limite pas dans le microcosme de la gouvernance, de la démocratie et de l'état de droit. Au plan économique, des actions de grande envergure sont aussi prévues. En dépit de la conjoncture économique qui est toujours rude, le gouvernement va orienter des investissements robustes dans l'éducation, la santé et le développement rural, comme le souligne fort opportunément le rapport. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, de la pleine conscience que nous avons des aspirations légitimes de nos populations, celles des villes et surtout celles du monde rural. Au même titre que l'éducation, la couverture sanitaire universelle ou l'accès à l'eau, la question de la sécurité alimentaire et l'épanouissement de la masse paysanne est pour nous un impératif de premier ordre. Dans cette perspective, les activités de l'Agence nationale de développement rural, ANADER, feront l'objet d'un suivi plus régulier et ne bénéficieront de la participation élargie des acteurs de développement et des collectivités autonomes. Mesdames et messieurs, les questions transversales évoquées dans le rapport, notamment le conflit interne provoqué par les difficultés d'accès aux ressources naturelles, les défis environnementaux, la promotion du genre et la valorisation du capital humain vont focaliser toute notre attention. Je voudrais ici affirmer avec force que tous ces défis sont au nombre de nos préoccupations constantes. À titre illustratif, je rappelle qu'en matière du genre, notre nation a franchi un palier de taille
avec la signature de l'ordonnance instituant la parité progressive dans les fonctions électives et nominatives. Il ne s'agit pas simplement de faire les choses dans le papier, mais il ne s'agit pas non plus aussi de croiser les bras. Aux femmes de se battre, aux hommes d'accepter, les faire. De même, la lutte contre le mariage précoce est régie par une loi de grande portée et fait l'objet d'une application rigoureuse. La loi amenait la date du mariage à 18 ans. La protection de la petite enfance est pour nous un impératif absolu qui s'impose à toute la société. Ce même impératif justifie la lutte que nous menons de manière déterminée pour assurer la scolarisation des jeunes filles et surtout leur permettre de poursuivre le cursus académique à son terme. Il est indéniable que le pari du développement exige la pleine participation de la femme. Ce postulat nous a aussi conduit à inscrire la question de la jeunesse au centre de notre politique de valorisation du capital humain. Nous misons énormément sur le potentiel productif des jeunes pour donner un coup d'accélérateur à notre marche vers le progrès et la transformation profonde de notre pays. Je note, mesdames et messieurs, que nos jeunes auront l'opportunité de définir eux-mêmes leurs attentes réelles à la faveur d'un forum national qui leur est spécialement dédié. Ce forum s'éteindra avant la fin de l'année en cours. La feuille de route qui sortira de ces assises, mi-septembre, je dirais, de l'année en cours, renforcera sans doute les actions que mène le gouvernement pour assurer l'épanouissement des jeunes et garantir leur avenir. En matière de valorisation des ressources humaines, nous ne perdons pas de vue la situation des personnes handicapées. Des dispositifs juridiques sont prévus pour garantir l'épanouissement socio-économique de ces citoyens à part entière. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans le rapport qui a été rendu public, il y a des insuffisances. Nous le reconnaissons. Je reconnais personnellement. Mais je m'engage ici devant vous et le peuple tchadien de mettre tout en œuvre pour apporter des solutions idéales à tout ce qui se pose aujourd'hui comme problématique à notre pays, à notre population. Dans quelques années ou dans quelques années, certainement, le prochain rapport du Tchad, en fait, disons, sera différent de celui-là. Je l'espère. Et je le crois aussi. Je ne suis pas beaucoup trop parleur comme le professeur. Mais il saura être à mes côtés pour m'accompagner avec son équipe, accompagner le gouvernement aussi dans cette œuvre. Dire, hey, comme vous dites aux élèves, hey, pas comme ça, au ministre. Mesdames, messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos,
Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui ont formulé de pertinentes observations lors de la présentation du rapport par mes soins en janvier 2017 à Addis Abeba. Je voudrais également réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont contribué au prix des efforts louables à la production du rapport. Ma pensée va à l'endroit de l'ensemble du panel des éminentes personnalités du MAEP, du comité des points focaux et de ceux de la direction générale du MAEP continental. Je ne saurais occulter l'investissement marqué au niveau national des membres des points focaux, de la Commission nationale de gouvernance, du secrétariat national et des instituts techniques de recherche. Je salue par ailleurs la contribution citoyenne des Tchadiennes et Tchadiens qui se sont soumis volontairement aux sondages et enquêtes sur la gouvernance dans notre pays. À travers ces actes de haute portée, nos compatriotes démontrent non seulement leur degré d'appropriation de la bonne gouvernance, mais se placent au centre du mécanisme. Aucun doute ne subsiste quant à l'implication active de l'ensemble des Tchadiens dans la mise en œuvre des plans d'action, de notre plan d'action, le plan d'action du Tchad. Sur ce, je lance seulement la phase de la mise en œuvre du plan national d'action contenu dans le rapport du MAEP sur le Tchad. Merci.